Caire. On est parti donc dans le troisième match, deuxième journée, la journée de vendredi, la journée européenne, la première de la semaine. Paradigme contre Hungry for More, deux équipes qui ont un niveau assez similaire, enfin assez similaire, assez proche, puisque je le rappelle, Paradigme a fini deuxième du speed de printemps, Hungry for More troisième. Après, il y a peut-être, je pense, encore une différence de niveau entre Pantera, Paradigm et Hungry for More. Je pense que Pantera, Paradigm sont légèrement au-dessus. On va voir comment ça se passe dans cette game. Vulcain, Susano, Nemesis, Fafnir. On peut faire speak Bacchus, on peut faire speak pas mal de choses côté para. Voir également la Freya qui pourrait être first speak. Aokong, Aokong, c'est vrai. Aokong, le nouveau perso contesté tout le temps par tout le monde. Depuis qu'Adapting l'a sorti aux Epsilon Invitational et qu'il a roulé sur tout le monde. Ah, Aokong, donc jungle, Jingwei pour Ataraxia, récupéré instantanément. Perso assez safe face à Aokong quand même. Et un Ymir pour Pandalike. Je suis pas hyper fan d'un Ymir face à un Aokong. Pourquoi? Pas de moyen de fuir. Hein. Si vous avez votre Frost, votre Glacial Strike, votre ulti pour être immune contrôle. Mais c'est quand même pas facile de jouer Ymir face à un perso comme Aokong qui peut vous tuer très très vite. Après, il n'a pas d'armes démentielles hein, contre les gardiens. Aokong, il n'a pas de dégâts en pourcentage de PV, à part le Kill's Threshold, bien évidemment, son ultimate. Mais c'est pas une Serket qui peut ignorer les résistances de Ymir avec son ulti. Cal Passif Catalyst qui permet de retirer des PV. Ra Middle pour Hungry for More, donc un pour Petit Prime qui reprend sur ses pics de saison 1. Il a beaucoup joué en première semaine Vulcain et Ra, qui sont ses deux pics depuis 2013-2014. Donc c'est vrai que c'est des pics assez étranges, mais c'est vrai qu'Ymir va assez bien avec Ra. Frostbreath, Swain Pain, très facile à combo. Ça fait très très mal. Mais c'est des pics vieillots, hein, contre des pics, bon vieillots aussi, hein, Nice. Et Kronos, Kronos qui sera joué à mon avis par Funballer et Nice Middle par Lobster. Je pense plutôt dans cet ordre-là. Après, ils peuvent très bien faire l'inverse. Ravana tire, Unbat Fenrir. On a préféré retirer les pics de notre ami Captain Twig. Et de l'autre côté, les pics de Xalia. On prend un Odin en solo lane, je pense, pour les Hungry for More, donc pour Variety. Il a déjà joué la semaine dernière. Ça sera un Sun Wukong pour Xalia et un Bacchus finalement récupéré en dernier. Ça, c'est plutôt rare pour Trickstan qu'on lui laisse son main pick. Son main pick depuis quelques semaines, quelques mois même, j'aurais tendance à dire. Avant, c'était loin d'être son main pick. Hein. C'était plutôt Guan Yu. Il y a eu une période Hercule. Maintenant, il y a une période Sun Wukong. Maintenant, c'est Bacchus. Bacchus est le seul vrai gardien que je pense qu'aime beaucoup Trickstan. Je sais pas s'il aime beaucoup d'autres gardiens. Il aime beaucoup les guerriers Trickstan qu'on support. En même temps, et c'est un joueur qui joue au jeu depuis les limites. C'est un développeur du jeu, tellement il joue depuis longtemps. Non, je déconne, mais c'est vrai qu'il a connu la période où c'était la toute puissance des guerriers support. On jouait Shaq, on jouait Odin, on jouait Tyr, on jouait énormément de guerriers en support qu'on ne voit plus très clairement. Maintenant, chaque support, bon, ça se fait plus. Mes guerriers ont été beaucoup nerfs en 2014. Et c'est là qu'on a vu apparaître les gardiens finalement. Gabe, la toute puissance de Gabe. L'arrivée de Sylvanus. Etc. Etc. Allez, on est parti donc dans cette première manche de cette rencontre entre Paradigm et Hungry for More. On aura Xalia avec Sun Wukong. Kuvo qui jouera Aokong Jungle. Lobster, c'est bien ça avec une Nice Middle. Trickstank avec son Bacchus. Et Funballer avec son Kronos. Côté des Hungry for More, on aura Variety avec Odin. Captain Twig avec Thor. Poetic Prime avec son Ra. Pandalike avec son Ymir très clairement et Ataraxia avec sa Jingwei. On est quand même sur des pics de confort sur quasiment tout le monde. Bon après, Aokong sur Kuvo, je suis un peu pas étonné parce qu'il l'a déjà joué. Mais je me demande encore s'il est du niveau de Miefe ou Adapting ou s'il est légèrement en dessous. On verra, on verra. Mais on va dire que tous les autres dans toute la game, ils ont des pics de confort. Hein. Il n'y a pas un pic qui fait... Bon, à part Xalia qui est un hyper fan de Sun Wukong, mais c'est tout. Hein. Vraiment, il n'y a que Xalia et Kuvo. Hein. Ce sont tous les autres joueurs ont des picks qu'ils ont déjà joués et qui sont connus pour les jouer. On met le heal côté Poetic Prime pour participer
Omid Harpie avec son pote. Il a même mis le Celestial Beam à travers le mur. Et on va réussir de récupérer celle de l'autre côté. Ra est quand même un perso assez fun à jouer sur la phase de lane. C'est assez rigolo au niveau PvE. Après, c'est vrai qu'au niveau PvP, toucher avec un Ra, un joueur avec un cerveau, avec un 1 qui n'est pas contrôlé, ça devient vite compliqué quand vous commencez à jouer contre des gens qui sont solides. Par contre, vous avez des combos qui sont assez. Qui sont pas si simples que ça à maîtriser avec Ra, c'est le combo 1 ulti. Parce qu'il faut lancer le 1 limite avant que le mec soit dunk par tort, si le mec est loin. Donc c'est pas si facile que ça à réaliser. Après, si vous voulez juste mettre le spray in pain, bon, ça va. Après, quand vous allez commencer à monter des niveaux et quand les gens vont bids les ultis de Thor, quand Thor, avant de le toucher, vous verrez que vos spray in pain seront beaucoup plus durs à placer. Donc vous avez le rat facile à jouer au début du jeu parce que les gens soit n'achète pas de purif, enfin ça c'était le cas avant en saison 2, saison 1, soit achète une purif mais l'utilise trop tard, ils ont déjà pris le tank, ils se sont fait stun pendant une seconde et ils bid finalement 0,1 seconde de contrôle. Bon, ça m'arrive aussi, hein, je critique pas, ça m'arrive souvent même, mais voilà, mais c'est-à-dire qu'arrivé à un certain niveau, les contrôles ils les subissent pas, ils bid avant en fait, donc ils ont largement le temps de décaler et votre spray in pain va passer dans le vent. C'est pour ça que Ra, il y a plusieurs tranches de niveau. Il y a le jouer à bas niveau, c'est facile. Il y a le jouer à moyen niveau, ça passe encore. Quand vous jouez contre des bons joueurs, ça devient dur. Puis quand vous jouez à niveau pro, là par contre, faut vous dire que vous ne pourrez pas placer un Spray in Pain si la personne a sa purification de up. Ça va devenir quand même assez compliqué. À moins de le lancer à travers un mur et d'être caché. Mais si vous le lancez de face à quelqu'un, bah, généralement l'esquiver. Xalia qui met la pression à Variety avec son Sun Wukong pendentif de turquoise. Après, Odin perd un petit peu de gold, mais ça va. Il est à 2400 contre 2500. Ils ont 100 gold d'écart entre Xalia et Variety. Je trouve que Variety a vraiment réussi à step up en solo laner. Il est longtemps resté sur des picks mages. Mais là, maintenant, il s'est vraiment habitué à la méta guerrier. Il aura mis du temps quand même, plus d'un an. Mais c'est vrai que maintenant il est connu sur son tir. Il joue beaucoup Odin aussi. Il est assez polyvalent. C'est un solo laner, je pense, du level de Xalia. Il n'a plus grand chose à lui envier. Après, ce qui est du niveau de Dimi, Baskin. A voir. Il reste encore des choses à prouver pour aller en Gryffondor en LAN face à ces équipes-là. Ceinture du sorcier qui va être rush par Pretty Prime. Mon Pretty Prime, il est en 2014 actuellement dans sa tête. Il joue des dieux de 2014 et des builds de 2014. C'est assez rigolo. C'est un match qui joue. C'est un mythe qui joue plus. Qui est pas du tout comme les autres actuellement. Pas de casque dynastique. Faire pierre d'âme et rusher le rang 1 de la ceinture. Personne fait ça actuellement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça marche, si vous arrivez à stack votre ceinture, la ceinture est quasiment obligatoire face à une compo comme les Paradigmes parce qu'il y a l'Intoxicate qui fait beaucoup de dégâts, il y a Okrong, il y a l'Anis. Avoir 600 PV de plus avec la ceinture full stack, ça sera pas un luxe. Et on joue sprint du côté de Ymir, ça me fait plaisir de voir un sprint. Sprint, c'était vraiment ma relique de début de ce split, mais depuis le nerf. Je la conseille, c'est vrai, plus trop. Mais c'est un bon choix entre l'agressif et le défensif. Après, ce n'est pas une méditation, ce n'est pas une coquille. Ceinture en 2016, really? Ouais, une ceinture du sorcier, c'est vrai que. Il n'y en a plus beaucoup à niveau e-sport. Il y en a parfois sur les chronos. Mais il préfère la lamellée. Alors, je préfère vous conseiller aussi la lamellée que la ceinture. Mais la ceinture est un choix. C'est l'objet en fait. Chronos, c'est très difficile de le jouer sans PV. Même s'il y a Metianki qui s'est amusé à le faire l'autre jour. Sans ceinture, sans lamellée. Rien. Voilà. Ça fait que vous pouvez vous faire burst très 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 vite. Mais c'est vrai que la ceinture. Moi, je la fais de temps en temps quand je joue contre Loki, quoi. Voilà.
Après, tu aimes bien les joueurs Rena, mais t'inquiète pas, hein, la ceinture elle est pas faite par beaucoup de midlaners. Yamine la fera jamais. C'est juste Poetic Prime qui est finaliste du championnat du monde saison 1 qui adore le stack. Hein. Lui, il adore le stack. En saison 1, il faisait ceinture tot, ceinture tot, ceinture tot, ceinture tot tout le temps. Et il a fait ceinture tot la semaine dernière aussi d'ailleurs. Mais c'est long à scale. Hein. Et Dekest aussi, midlaner français qui adore le double stack. Et là, on réussit à mettre pas mal de dégâts côté lobster et on sécurise le kill. Le Sourine Pain qui est raté malheureusement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, difficile de placer un Sourine Pain sur quelqu'un qui est en face de toi et qui te regarde. Exalia qui prend le kill sur Pretty Prime, 2 à 0, Paradigme largement devant. Et ça va me sembler compliqué côté des... Chronos n'a pas vraiment besoin de la mêlée. Bah, je sais pas, demande à tous les pro players sur Chronos qui font tout de suite de la mêlée. Non, je déconne, ils le font pas tous, mais ils en font beaucoup. Mais c'est le build de Zeroes, c'est le build de Zeroes inventé qui est assez bien avec la lamellée. Les gens le font beaucoup. En fait, le problème de pas faire de les 300 PV de la lamellée sur Chronos, c'est que dans certains cas, tu vas te faire bust, t'auras pas le temps d'ulti. Je pense qu'ils font la lamellée pour ça, ils font la lamellée pour l'anti-slow, ils font la lamellée pour la vitesse d'attaque. Il y a rien, tout est bien sur Chronos. Même la diminution de crowd control, c'est cool. Ça te permet d'ulti plus tôt. Quand tu te fais contrôler et que t'as pas ta purif. On verra s'il a fait. Oh, il fait une ceinture, Funballer. Oh là là. Il fait une ceinture Funballer, carrément. Il fera pas de la mêlée, il fera une ceinture. Comme en 2000. Par contre, en 2015, on faisait ceinture. On faisait pas de la mêlée sur Chronos. Pourquoi? Parce que la ceinture s'est fait quand même un petit peu nerf. Début de saison 2, enfin, début de saison 3, pardon. Elle s'est fait nerf, la ceinture du sorcier. Pour ça qu'on la voit plus beaucoup aussi. Hein. C'est un très très bon objet. Et 10% de déplacement, c'est cool aussi. Ouais, en effet, en late game, quand tu claques l'accélérate et que tu cours après quelqu'un, le mec le sent passer. Hein. Tu t'appelles Chronos et que t'as l'accélérate et une lamellée. C'est vrai que c'est très très fort aussi. La vitesse de déplacement, qui est une stat que je trouve qui est très sous-estimée dans le jeu. La vitesse de déplacement, on en fait sur très très peu de persos. Hein. Mais qui est quand même une stat énorme dans un jeu où tout est skill shot quand même. Hein. C'est pour ça que Vulcain est très fort. Hein. Vulcain, ils l'ont pas beaucoup modifié. Hein. Ils ont modifié un peu LER Shaker, puis après ils ont modifié son passif. La vitesse de déplacement donnée quand il touche ses sorts, c'est ça qui le rend pété en fait, quand il est bien joué. Parce qu'en fait, les joueurs vont tout esquiver. C'est ce que disait Dimi quand il faisait une duo Q avec Yamin. Ils étaient en face d'Emilito. Emilito, il a first pick Vulcain. Et il disait à 30, à 20 minutes, bon, bah, on a perdu. Et Emilito, de toute façon, il a Vulcain. Et c'est vrai que tu voyais teamfight où tu Emilito qui dodgeait tout, qui déplaçait ses sorts. Et c'était vraiment trop trop dur parce qu'il avait beaucoup de mobilité. Donc la mobilité, c'est vraiment une stat que je trouve qui est sous-estimée dans le jeu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Chronos d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup de mobilité dans les builds qu'on lui fait. Vu qu'on fait une lamellée sur ce perso. Après, je déteste le Fatalis par contre. Hein. Je vais pas jouer ADC Fatalis sous prétexte que ça donne 10% de move speed et que je vais pouvoir ne pas avoir de malus de recul. Ça, par contre, je n'aime pas trop le Fatalis. Mais bon, je comprends qu'il y en ait qui le font et je sais pourquoi ils le font. Et ça reste un bon objet, on va dire, pour carry à bas elo. Fatalis, mais on comprend pourquoi les pros le font pas. Hein. C'est des pertes de stats. C'est bon pour Chase, mais bon, il faut déjà gagner les teamfights. En seal pour Thor, c'est assez rigolo ce que fait Captain Twig. D'ailleurs, on va relire le passif en anglais, parce que alors, c'est le genre de passif que en seal a tellement été changé en l'espace de plusieurs années. Donc ça donne 25 de power, là, je savais pas, 60 de magical protection, ça c'est normal, 10% de cooldown, et whenever way you take magical damage from an enemy ability, you unleash a shockwave that silence all enemy within range of... Ah ouais, putain, je m'en rappelle pas du tout du passif de Lancille. Oh. Honte à moi. Bon après, je pense qu'on est beaucoup ici à regarder cette vidéo et à ne pas connaître ce passif finalement. D'accord. Donc quand tu prends des dégâts magiques, tu relâches un silence de zone dans un rayon de 20 pendant une seconde. C'est un anti-Bacchus.
C'est un anti-Bacchus, a priori, c'est un anti-Hao Kong. Ouais. Enfin, une seconde, quoi, le silence. Hein. C'est pas non plus démentiel. Petit Prime qui attend pour sniper. Mais bien évidemment, on sait qu'on joue contre Petit Prime, donc on va pas se faire avoir. Parce que quand le Bacchus belly flop sur le Thor, bon, il est silence. Ouais, c'est un silence d'une seconde, ça c'est un silence de 3. Hein. L'objet serait trop fort. Non, il serait peut-être trop fort. Il faudrait que ça soit un silence d'1,5, peut-être. Et que ça donne plus de power. Ça va être que 20 de power, hein, c'est pas beaucoup, 20. 25, ce serait bien. On va mettre le contrôle sur Captain Twig, on réussit à le tuer. Derrière Hao Kong qui va tuer Panda-like, c'est un pauvre Ymir, il est mort. Ah, très difficile hein, de jouer Ymir quand on est derrière face à Bacchus et à Hao Kong. Vous n'avez aucun moyen de vous escape avant votre sprint. Et 4-0 pour Paradigm, l'écart de gold est quasiment de 2000. On va voler le buff de dégâts, Ataraxia va pas pouvoir y faire grand-chose. Il se fait zoner, 2-3 par Hao Kong. Qui est à 004, qui a rush le casque dynastique, les bots et qui part sur le Polonomicon, plutôt classique hein, sur cet Haokon. On récupère 2000 d'XP d'avance, 2000 de gold, on fait les buffs, QTQV, on est déjà level 12. Et on continue de prendre des levels. Level c'est important sur Haokon. Mais plus important, ça reste quand même son poly et son éclat obsidienne pour vraiment faire des dégâts énormes sur les frontliners. Hao Kong est un assez bon anti-frontliner grâce à son build en fait, hein, parce que c'est pas trop dans son kit de sort. Même si les kills sur le seuil de mort sont intéressants contre les tanks, parce que 15% sur un tank de PV, c'est pas 15% sur un perso qui est fragile, forcément, c'est beaucoup plus sur un tank. Le montant de PV, pas les pourcentages, les pourcentages c'est les mêmes, on est d'accord. Et au niveau de la mid lane, Lobster qui joue, qui fait une game tranquille, hein, voilà, il joue une Nice. Il fait son taf, il a 3-0-1, il arrive assez bien à suivre le follow de Kuvo et Trickstank, ça se passe bien pour le moment pour ce trio. Jungler support mid qui ont pour le moment tous les kills. Hein. Chronos a juste une assist et Sun Wukong un kill par contre. De l'autre côté, Jingwei n'est pas mort, Tonin n'est pas mort. Donc c'est vraiment le trio jungler support mid qui fait la diff pour le moment. Et pour le moment, Variety ne peut pas trop parler. Il a perdu sa solo. Et il va partir sur une garde de Genji pour diminuer ses cooldowns, récupérer son shield plus vite. Bonjour, bonsoir. Salut Jungle FR, salut à toi. J'espère que tu vas bien. On réussit à prendre les mid harpies côté Pretty Prime. On a déjà pas mal de stacks hein, sur la ceinture du sorcier. D'ailleurs, sur le Chronos et sur le rat, moi je me demande si Funbuller il fait pas une ceinture parce qu'il a vu Pretty Prime faire une ceinture. Histoire de le soutenir un petit peu. Et il fait une ceinture et une lamellée derrière Funbuller. Oh, il joue safe hein, son Chronos. Il va avoir beaucoup de PV. Bon, pas énormément de dégâts, mais beaucoup de PV. D'ailleurs, il y a des objets qui sont pas faits sur Chronos, mais qui sont envisageables. Hein, genre un Tod sur un Chronos, c'est pas mauvais. Une ceinture, c'est intéressant, mais je trouve bizarre de faire ceinture et lamellée. Plutôt l'un ou l'autre. Et salut à Jungle FR, salut à Xaelix et à Hot Style. Hot Five Style. Ah non, le. Oui, c'est ça, c'est Hot Style. Parce que le 5 représente un L, je suppose, et le 3 un E. Attention. Lobster, on Spirit Arrow, on clean la wave, on est bon. On récupère le buff de dégâts.
Et on a l'Obstfunballer qui reste sur sa lane. C'est assez rigolo le skill order de Kronos quand même. Hein. Un point dans l'ulti et on max tout le reste. On max le 1, ensuite le 3, ensuite le 2. Exécuteur du côté de Nice, donc pas de vol de vie. On se suffit du deuxième sort de Nice. Et on a Bacchus qui retourne à la base, va terminer son rempart, ou non, va acheter sa deuxième relique plutôt. Fini une pestilence, pestilence oui, pour contrer le rat, pardon. De l'autre côté, on a quand même fait curse et pestilence, hein, on n'hésite pas côté Trickstank. Polo de Beacon, on part sur l'éclat maintenant. Full anti-physique côté Xalia, lame de la sorcière, plastron de valeur. L'âme de la sorcière, c'est vraiment que c'est fort, hein, parce que c'était Ataraxia qui disait que c'était un objet qui méritait pas de up et qu'il était déjà envisageable, c'est juste que bah pas à la mode quoi. Mais contre les compos anti-physique, c'était intéressant. On le voyait pas assez. Et maintenant qu'il a été up, bah on va le voir tout le temps. Enfin, on va le voir très souvent. Ouf. Personne s'est mis devant et Lobster a réussi à tuer Captain Twig. Tentative de Gold Fury, Ataraxia qui peut tenter, non il ne tentera pas, il y a un sprint qui a été claqué. Voilà, Trickstank qui a balancé un shot calling assez étrange, top time, panda like qui va prendre cher, l'arrivée de Kuvo, on met l'ulti, ah il s'est raté. Ou alors il a fait un move très très skillé, mais je pense pas qu'il voulait ulti Odin. Merci pour le follow Wartank 31. Tentative de Gold Fury, on zone encore les trois joueurs. Bon, ils sont dans le Solar Blessing, donc ça va. Et on récupère cette Gold Fury. Et on est maintenant sur un écart de 4300 entre les deux équipes, 6-0. Après avoir vu les NRG pas donner de kill dans la deuxième game contre les Sanguini Sport, on va voir si les Paradigmes vont réussir à mettre. Fanny sous le baby, les Hungry for More, 6-0 pour le moment. Ça serait quand même violent, hein, pour l'équipe qui actuellement faisait un très très bon parcours. Et là, ça se complique. Hein. En même temps, ils jouent des persos made in 2014. Hein. Ra, Ymir. C'est quand même très 2014, hein, Ymir. Le Ymir de Murdur, Kenny Life à l'époque. Et le rat de Pretty Prime, ou le rat de Confrey, hein. Il jouait sur cette ambiguïté là, on savait pas si le rat à l'époque était solo ou mid. Bon, maintenant on sait que le rat il va être mid. Hein. Rat solo, ça n'existe plus en compétitif depuis un petit moment. Sovereign Pain raté, dommage, pas assez une bonne cohésion là. Si on avait mis Tectonic Rift, Sovereign Pain, aller-retour de Mjolnir passé, ça aurait gagné le teamfight. Malheureusement, on a raté le combo. Résultat, on va essayer d'aller chercher Ataraxia peut-être à côté Kuvo. Oui, le 3 est passé. Pas de dégâts côté Lobster, on rate le time rift, le belly flop de Trickstank, c'est pas grave. Et on désengage, en plus on a l'ulti côté Chronos, on décide de pas l'utiliser. Et c'est bien ça, hein. C'est bien une ceinture, l'âme de la sorcière que nous a fait Funballer. Itemisation assez défensive, hein. Ne faites pas ça en solo queue, vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts et après vous risquez de vous plaindre de ne pas pouvoir carry la game tout seul. Bon là, Funballer qui se fait carry. 300 sur la labellée, 600 sur la ceinture. S'il meurt avec son Chronos, avant d'utiliser son ulti, on pourra le lâcher en public. Hein. Éclat d'obsidienne. Je vois ce qu'il va faire comme itemisation après. Bâton de Tahuti et Poli. Mais ça fait un build vraiment safe. Hein. Côté de Pretty Prime, on va partir sur un pan anti de Chronos, sans doute sur son rat. Mais c'est le problème de rat, c'est que son itemisation, ça lui demande tellement de temps. Mais c'est fort à 6 items rat. T'as un gros heal, c'est un Sovereign Pain qui peut follow up, qui peut permettre de tuer quelqu'un rapidement. Après, malheureusement, c'est pas hyper playmaker. Hein. Faire un pentakill avec rat, bonne chance. À moins que vous jouiez contre le petit train. Pas facile. Belly flop sur les deux tanks, le Wall River de Nice arrivé. Oh, po, 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 po.
Ah, c'est magnifique. Kubo, il savait où le tort irait. C'est trop rigolo. C'est trop trop rigolo là. Parce que Kubo, il savait où le tort irait. Donc c'est assez oufissime, je trouve. Je sais pas si j'ai le temps de revenir parce qu'il faudrait que je finisse la game, mais. Il savait à peu près. Il savait à peu près. Il était pas sûr à 100%, mais il savait à peu près où irait le tort. Et de toute façon, il avait le flash au pire s'il passait pas là. Mais c'était rigolé. Qui a gagné la game entre Allegiance et Edomi? Je crois que je vais bientôt la poster sur le YouTube. Je vais la poster aujourd'hui. De toute façon, moi je suis pas trop en retard. C'est juste sur YouTube, bah, j'ai pas envie de vous poster 4, 5, 6 vidéos e-sport en une journée. Parce que ça fait quand même beaucoup. C'est pas très digeste. Hein, pour ça fait 12 heures. 12 heures de vidéo. C'est quelqu'un qui m'avait dit, non mais Iker, faut que tu postes tes vidéos e-sport plus vite. Oui, mais le problème c'est que si je les poste toutes d'un coup, il y a des vidéos où je vais avoir 3 vues, quoi. Ce qui est pas très intéressant. Pour moi, hein, c'est quand même mon moyen de vivre. Même si je sais que les vidéos e-sport ne sont pas des vidéos qui sont énormément regardées sur ma chaîne, finalement. Il pourrait mieux que je fasse que des Iker en ligue, mais c'est ce que j'aime le plus faire, moi, du commentary. D'ailleurs, du commentary, il y en aura un commentary différent qui arrive en septembre, ce sera pas sur le même jeu. Mais je spoil pas plus, vous aurez sans doute la vidéo qui devrait pop la semaine prochaine. Je vais essayer de finir tout le programme. Je passe sur ton stream avant d'aller en cours. Bah salut enfant méchant. Moi j'ai dormi de minuit à 3 h. Ensuite je me suis levé stream. Et ensuite j'irai me recoucher quand tu seras pile en cours. Quand tu commenceras ton cours, tu te diras Iker, il part dormir là. Parce que je vais arrêter le stream vers 7 h 30, je pense. J'aimerais bien pouvoir terminer cette rencontre. Pas ce match, mais la rencontre complète. Donc la deuxième manche aussi. On va récupérer la ward. Attention, Captain Twig qui se fait burst. Il va réussir à s'enfuir avec le Anvil of Doom. Mais il est complètement out du fight. Oui, dans la tête d'un pro, c'est prévu que j'en refasse un. Alors peut-être pas cette semaine. C'est assez difficile de faire toutes les vidéos que je fais d'habitude quand il y a l'e-sport parce que ça fait pratiquement 30 matchs à commenter par semaine. Il y en a 8 par jour, donc 8 x 4, 16, 32. Ça fait 32 matchs par semaine à commenter. Ce qui fait beaucoup. Que j'ai commenté en différé ou en direct. D'ailleurs, en différé, c'est plus rapide parce qu'en direct, il y a des pauses, il y a des machins, il y a des trucs. On va mettre pas mal de dégâts. L'ulti d'Aokong a été raté, mais il y a le sort en Massoclade côté Xalia pour sécuriser le kill. Kuvo qui a désengagé. Variety qui s'enfuit avec son Odin. On a pris le kill sur Pandalike. On va désengager. On est à 12-0. On n'a pas envie de concéder de kill. On a vu NRG être capable de battre sans mourir. Donc sans prendre de mort. Donc on a envie de faire pareil côté paradigme. Merci si tu en sors une. Bah normalement, prochain dans la tête d'un pro, ça sera un joueur nord-américain et ça sera peut-être un jungle. Non, j'ai fait Ratatosker, j'ai fait Jingwei. Donc, a priori, va bien falloir que je retourne sur les supports. Peut-être faire une vidéo sur Incon, on verra. Ou alors une vidéo sur un solo laner, mais ça sera soit l'un soit l'autre. Ça sera sans doute pas un mid. J'en ai trop fait cette saison, je crois, des mids. Mid, ça sera peut-être celle d'après, mais ça sera normalement jungler ou support ou solo. Non, solo ou support, pardon. Donc on verra. Et je prendrai un joueur de la CNNA, parce que là j'ai fait 2-3 joueurs de la CNEU d'affilée. Et on a 12-0, la Gold Fury a été faite. Écart de gold de 13 000 maintenant, 13 400, 13 500, 16 200 d'XP, donc ça c'est colossal par contre l'écart d'XP. On essaie de tout mettre ici sur Kuvo, mais on n'arrive pas à le choper. Malgré le flash de Ymir, pas le flash. Malgré le sprint. Non, il n'y a pas eu de flash. C'est Kuvo qui a désengagé avec le flash. J'avais bien vu un flash, mais c'était un flash défensif. Les retours de Mjolnir, Xalia. Pouah, qui prend pas de dégâts. Du combo de Sun Wukong. Du combo d'Odin, pardon. Xalia qui temporise avec son sort Massocloud. L'arrivée de tout le monde. Kronos qui est en train d'arriver. Il n'est pas encore là. Il part sur un bâton de Tahuti après l'éclat d'obsidienne. Le Surin Pain qui n'a pas fait énormément de dégâts, au revoir Captain Twig.
Le Bellyflop sur Ataraxia. Ataraxia tombe, des coups de fumbler. On chase. Le problème, c'est que le chase avec un chrono, c'est tellement facile. Le stop time qui passe sur Pretty Prime qui bids. Il met le 1, il tourne, il met Sanctuaire, il saute parce qu'il sait que là il est bien mal barré avec son rat. Et il prend le kill avec le King of the Eastern Sea. On retombe sur Variety. On n'arrive pas à placer le 2. Free Fire Giant pour les paradigmes. Ça y est, c'est fait. Le Molten Pool, par contre, fait pas mal de dégâts. Mais ça va pas empêcher l'équipe des paradigmes de sécuriser ce Fire Giant et d'aller sécuriser ensuite la game. Hein. Il y a quand même de grandes probabilités pour qu'il gagne maintenant avec un écart de quasiment 16 000 surrender de Hungry for More. Très très belle victoire des paradigmes dans cette première manche et on va directement enchaîner sur la deuxième. Voilà, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Voilà, hop, c'est parti, deuxième manche. On va voir si Hungry for More peuvent aller chercher le 1 partout ou si les paradigmes vont aller chercher le 2-0 et ainsi dire au Hungry for More, vous finirez pas premier sur ce split. Et c'est peut-être nous allons peut-être y arriver en ayant fait un partout contre Pantera. On sait jamais, Pantera va peut-être perdre une autre manche et on en profitera car nous allons faire que des victoires. On a un ban à Hong Kong, ban Nemesis. Hungry for More qui ne. Et beaucoup d'équipes qui vont devoir permaban à Hong Kong cette saison. Il va encore se faire nerf, c'est assez rigolo. Alors qu'on pensait que ça allait être suffisant. Hein, en suivant les réactions des pro players. Hong Kong n'était plus du tout joué avant les Ypsilon Invitational. On se disait, bon bah voilà, Hong Kong c'est un perso de solo queue. C'est plus. C'est pas un perso de ranked pro. Finalement, hop, adapting le ressort. Je me suis entraîné, les gars, vous allez voir. Et Fafnir, Nemesis, Susano, ça permet de first pick un Vulcain côté Pretty Prime. Classique hein, pour Pretty Prime, s'il a un skin titan, le skin titan du jeu c'est bien néant, le skin de Pretty Prime c'est le skin de ce joueur, c'est lui le meilleur Vulcain de la planète. Le problème c'est que est-ce que ça sera suffisant? Chronos récupéré pour Paradigm avec une Nyzze, donc on repart sur la même draft avec un Ares côté Panda-like. Panda-like aime bien les persos statiques. Hein. Ares Ymir, c'est des persos qui n'ont pas d'escape, qui sont assez difficiles à jouer contre une équipe qui est sur le papier plus forte que vous. Fenrir récupéré en jungle pour Captain Twig. Lancer main pick là par contre. Et on prend un Ravana solo côté Xalia. Ça y est, hein, ce Ravana devient, comme je l'ai expliqué hier, omnipotent. Tous les solo laners le jouent, donc il va se finir par se faire nerf aussi. Il y a quand même de grandes chances. On a ensuite un ban Jingwei. On va retirer les piques à Ataraxia, Jingwei Rama, Jingwei Freya, puisque Freya est. Non, Jingwei Anur. Donc Ataraxia pourrait très bien partir sur son Rama ou sa Freya. On a ban Bacchus et Kabrakan. Alors Kabrakan, ban. Est-ce que ça vaut encore un ban ce perso? C'est la question, parce que ça serait Kabrakan jungle pour Kuvo. C'est assez étonnant. On a un Geb pour Trickstank. Ça aussi, c'est étonnant. C'est pas un gardien qu'on a trop l'habitude de voir sur Trickstank, qui est plutôt un joueur défensif. Salut Xbox One Captain Zagor. Et ça sera Ymir Kairon. Donc un Ymir solo lane, Kairon ADC, Fenrir jungle, Ares. Et ça sera un Bats en jungle pour. C'est assez intéressant Unbats parce qu'il y a quand même pas mal de persos qui vont être dans la mêlée assez statique. Donc le Fear No Evil va être cool. Après c'est une vieille draft hein, que nous sort Paradigme quand même. On a un Bats, on a un Geb, on a une Nyzze. C'est vraiment des dieux qu'on voit depuis longtemps dans la méta. Allez, c'est parti. On est parti donc dans la deuxième manche de cette rencontre. Hungry for More contre Paradigm. On aura donc Variety en solo lane avec Ymir, Captain Twig en jungle qui jouera Fenrir. Pretty Prime sur la mid lane qui jouera son Vulcain. Panda-like qui jouera Ares en gardien. Et Ataraxia avec Kairon. Côté des Paradigmes, on aura Xalia en solo avec Ravana. Kuvo avec Unbats en jungle. Lobster avec Nyzze. Trickstank qui jouera
Gueb en gardien et enfin Fonballeur qui jouera Kronos. On va voir comment ça se passe au niveau des choix d'itemisation. Linceul artefact pour Kronos une nouvelle fois. Transcendance du côté de Nice. Pendentif turquoise du côté d'Ataraxia. Ok. Ok, ok. Choix étonnant quand même pour Ataraxia. Il veut vraiment des poches très 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 bien avec son Chiron. Il ne veut pas subir trop la pression de la lane en face. C'est assez étonnant parce que c'est une lane Gep Kronos qui n'est pas une lane folle. Il prend le pendentif turquoise pour contrebalancer le fait qu'Ares est un mauvais dépusher, je pense. Et ça lui permet de dépush assez bien avec son 1. Après, pour stacker deux fois le pendentif turquoise avec Chiron, c'est pas facile, hein. Utiliser son escape comme un stack. Je sais pas si c'est ouf. Et puis utiliser son 2 aussi. C'est un choix étonnant. Généralement, Chiron, ça joue transcendance ou. Ou au pire, tu fais prix de la mort et tu rush Gantelet du Dévoreur, je ne sais pas. Côté Variety, on retourne sur la solo. On Frost, on Glacial Strike. Essaye de gêner un petit peu. Mais c'est un Ravana prix de la mort. Donc c'est un Ravana qui va accepter de se faire toucher de temps en temps, mais qui va régène beaucoup avec le prix. Forcément, ça dépoche pas aussi bien qu'Ymir qui spamme les Glacial Strike. Après, au niveau utilisation de la mana, c'est pas la même chose par contre, hein. Un Ymir, c'est une pompe à mana comme tous les gardiens. Et par contre, les solo laners, c'est assez oufissime à quel point ils peuvent garder de la mana facilement. Et on voit que Xalia se fait push un peu, mais essaye de tenir tant bien que mal. Le Pramaman Slot, le Frost une nouvelle fois, il va prendre des dégâts des archers, c'est bien joué. On met le 3 pour régénérer des points de vie. Et on met le Pramaman Slot pour clean. Sur la duo lane, et apparemment c'est logique, Ataraxia se fait push, ok. Alors on met le stop time et on, ah ouais, mais on stack tous les sbires, hein. Ça c'est pas facile à faire. Normalement faut pas laisser le Kronos faire ça. Sinon c'est vrai qu'il clean très très vite, hein. S'il arrive à mettre 2-3 autos, faut mettre 2-3 autos sur les sbires, ça va faire que les archers et les corps à corps vont se quasiment se coller. Ensuite avec le stop time, vous avez vu que vous allez arrêter les mêlées, mais vu que le stop time est un sort assez lent, quand vous arrêtez les mêlées, les archers sont toujours en train d'avancer, ce qui fait que vous allez les arrêter quasiment tous sur la position d'un time rift. Et là vous allez dépush quand même de manière assez violente avec Kronos par contre. Côté Kuvo, on va faire la transition niveau 5, on sait qu'on n'a pas encore l'ulti, Panda Like est mort, c'est réalisé. Ça, c'est des ganks de saison 1. C'est des ganks tellement de saison 1, ça. C'est des ganks qu'on voit quasiment pas dans les mêlées. Normalement, on devrait pas voir ça, quoi. On devrait pas voir ça. Et c'est un gank qui passe. Alors, c'est un gank qui passe, mais qui est logique qu'il passe. C'est-à-dire, c'est le timing où le jungler est niveau 5, mais le support et l'ADC ne le sont pas encore. C'est des gants qui sont très très bien à faire contre des persos qui n'ont pas d'escape. Donc, typiquement, une Freya, ici un Ares, un Ymir. C'est vraiment un excellent choix un très bon gank réalisé par Kuvo ici. Côté Panda Like, on va encore mourir. Ouh, aïe, 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 aïe. Il n'a pas son niveau 5. Il va mourir sans avoir pu forcer des purifications. Quoique non. Le Jump In, le Mystic Rush, le Prama Unslot. Et on va tout de suite désengager. Panda Like, qu'est-ce qu'il foutait là? 0-2. Il n'avait pas encore son niveau 5. C'était assez étonnant comme gank. On va récupérer le buff de speed. Pourquoi live tu à cette heure-là? Parce que je peux. Non, je sais pas. Parce que j'avais envie. Non, j'avais pas envie. Mais j'avais envie de dormir. Mais parce que ma copine est au boulot et que comme ça je peux live tranquille. Et qu'après après elle sera crevée et je peux pas live quand elle dort. Donc autant dormir en même temps qu'elle et travailler en même temps qu'elle. Voilà la réponse. Et de toute façon, il faut que je commente les games e-sport, que je sois devant 15 viewers ou tout seul dans mon coin
en faisant un record, c'est la même chose. Je préfère le faire en live devant ceux qui se lèvent, qui vont prendre leur petit déjeuner, qui vont bosser, ou ceux qui vont ou qui sont québécois, je ne sais pas, qui vivent à l'autre bout de la planète. On met le Frost et on s'enfuit côté Variety. Et on a l'établi de guerrier côté Chiron. On a monté le Glacial Strike. Vous voyez hein, le pourquoi Ymir est jouable en solo. Parce que son Glacial Strike fait 370 de dégâts. Avec un ratio de 70. Donc il fait 400 de dégâts aux sbires à peu près. Bon, il fait moins parce que les sbires ont des résistances. Pas beaucoup, je crois, de mémoire, des résistances, les sbires. Je crois que c'est 14, 10, des trucs comme ça. C'est pas très élevé. Mais ça permet de clean la wave. Et puis surtout, Glacial Strike, il y a très peu de cooldown. Donc de temps de rechargement. Il revient quand même assez vite, le Glacial Strike. C'est un peu comme le Time Rift de Kronos. Ou le Water Cannon d'Ebo. Le Backfire de Vulcain. C'est des sorts qui reviennent vite. Exactement, comme ça vous êtes synchro. Exactement, enfant méchant. Et Ataraxia, bon. Qu'aura pas pris de retard au goal, voire il est devant son vis-à-vis parce que son vis-à-vis a push. Et donc il a raté quelques last hits. Ce qui fait qu'il a 50 gold d'avance à Ataraxia. Bon, rien du tout quoi. On reprend le contrôle de la vision. C'est Ataraxia qui ward la gold. C'est assez étonnant. Alors là, Ataraxia, je sais pas comment il a décidé de pas faire le tour. C'était assez étonnant parce que Pandaek est pas du tout avec lui. Hein. Pas du tout avec lui. C'est là que tu vois que Gabe, bah, c'est pas un gardien sur lequel t'as très peur. Hein. Parce que Ataraxia, il est passé dans le couloir ici contre un Ares, un Bacchus, un Khepri, un Sylvanus. Je sais pas s'il serait passé sur ce couloir-là. Alors que Gabe, bon. Shockwave Cataclysme, si tu bides le Cataclysme, ça va. Flash Cataclysme de Trickstank, c'était le cas de le dire. Pandalike, on va tout mettre sur Pandalike, on va encore réussir à le tuer. Ulti-Vulcain, le 2 de Ravana qui permet d'esquiver. Kuvo était en dehors de la zone, il a pris le jump. Très bon Captain Twin qui prend le jump, malheureusement. Ça aurait dû être un kill pris au backfire de Pretty Prime, malheureusement, il a raté. Pandalike qui survit, qui se prend le Time Rift. Et ça va s'arrêter là, Pandalike va survivre. C'est bien, Leon Griefmore a sécurisé. Un kill cette fois-ci. Ataraxia est en train de push au niveau de la middle lane. Non, il abandonne. Est-ce qu'il va aller au buff de dégâts? Non, il va au mid RP de gauche. Pretty Prime qui va faire les back RP avec sa tour. Et qui va enchaîner sur les mid RP de droite. Leon Griefmore comme ça vont rattraper leur retard. Voire vont passer devant avec ces mid RP de droite. Quoique Trickstank les a contestés. Je sais pas qui c'est qui les a récupérés. Le route qui a été mis, Zalia qui met quelques dégâts. On va rush le plastron de valeur pour avoir de l'armure. Du côté de Ymir, du côté de Ravana, on va rush un objet de résistance magique, sans doute un rempart d'espérance. C'est assez intéressant contre Vulcain, contre Ymir, contre Ares. Attention, tentative d'agression sur Pandalike, on a l'arrivée de Kuvo, Trickstank qui arrive comme une fusée. Bon là, le Geb a un peu aidé Pandalike, mais vu qu'il y avait Kuvo qui était sur la trajectoire et qui pouvait mettre un Fear de Evil qui allait repousser le Ares vers ses coéquipiers, il y a l'Ultinis. Là, on est vraiment sur des vieilles compos de saison 2 où on met l'Ultinis pour ganker et puis on martyrise complètement un joueur qui n'a pas d'escape. Et ici c'est Pandalike, il a 0-3 sur les 4 kills des paradigmes, mais ils vont continuer comme ça. C'est le gros défaut d'Ares, très clairement. Et puis c'est le défaut de Pandalike. Pandalike est sans doute l'un des joueurs les moins forts de Griefmore. Donc il martyrise un petit peu Pandalike comme on avait pu le voir aussi sur Marauder des ennemis, même si Marauder maintenant a step up, qu'il est devenu beaucoup plus solide. À une époque, on martyrisait Marauder. Bah là, on martyrise Pandalike, très clairement. On laisse vraiment pas respirer. On le focus, peu importe où il est sur la map.
On essaye de le tuer en boucle. On a un flash sur Gabe, donc c'est des possibilités offensives variétiques qui gênent le plus possible Xalia. C'est là qu'on voit qu'un Ymir avec buff bleu, c'est quand même très relou sur la solo. Hein. Transcendance, tabi de guerrier pour Lobster. Et on va dépush au mid. Le Sacred Monkey, on clean. Lobster qui a fini sa transcendance, qui est déjà full stack. On met l'ulti, on récupère le buff bleu de Xalia et on le met un petit peu en difficulté. Après, le tuer, tuer un Ravana avec un Ymir, c'est impossible. Hein. Une fois que le mec sait qu'il a un ulti qui peut se barrer de l'ulti d'Ymir, qu'il a un 2 qui lui permet d'éviter soit le Frost, soit l'ulti, soit enfin plein de choses, c'est impossible. Hein. Je pense. Il faudrait l'aider. Pray for Panda, oui, c'est un peu ça. Panda qui est parti en plus sur bot dommage, donc c'est un peu du foutage de gueule hein, de faire ça quand on sait qu'on joue un Ares et qu'on va se faire focus parce qu'on est Ares justement et qu'on n'a pas d'escape. C'est un perso qui est tuable dans les premières minutes. Hein, si vous le mettez, si vous le laissez prendre 4-5 items, le Ares vous le tuerez beaucoup moins. Mais tant qu'il n'a pas énormément d'items, j'aurais fait très clairement moi bot renforcé et puis marque de vanguard dans mes deux premiers objets. Après le don de l'observateur, bien évidemment, mais là, lui, il fait botte dommage. Il part sur une souveraineté qui est un objet qui donne de l'armure à ses alliés, mais qui donne pas énormément de défense à celui qui le prend. Donc, pas hyper fan de son choix. Surtout compte tenu de la game, quoi. Il faut savoir changer son itemisation, il faut savoir changer les trucs quand ça se passe mal. On a un back côté Pretty Prime qui va faire un build un peu plus traditionnel cette fois-ci. Casque dynastique, botte de mage, il arrête la ceinture du sorcier. Du côté de Funbuller, bizarrement, il arrête aussi. Orbe funeste, botte de mage. Plutôt un build. Oh, on récupère le contrôle de la vision au niveau de la gold. On sait ce pas faire côté Hungry for More. Un petit peu passif cette game, hein. 5 kills seulement en 12 minutes. On reprend le contrôle de la vision une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est Trickston qui la donne. Il pose une petite ward ici. Il back. Il a maxé la Shockwave quand même. Hein, au rang 5. On peut mettre 3, 4 rangs. Et après monter le Stone Shield. Il met des points dans le Cataclysme pour augmenter la durée du stun. Pour augmenter les PV max qui disparaissent. C'est pas au PV max, c'est. Comment on pourrait dire ça? Je sais plus ce que c'est. Qui fait des dégâts par rapport au PV max. Oui, c'est ça, ça fait des dégâts par rapport au PV max. Après, il y a des sorts qui font des dégâts au pourcentage des PV manquants. Salut Pilouts, oui, je me suis levé à 3 h pour commenter la SPL et je vais bientôt arrêter. Après cette rencontre-là, j'arrête pour aujourd'hui et je recommencerai demain matin. Je commencerai un peu plus tard, je crois, à 4 h 30. Et je terminerai un peu plus tard, à 7 h, 8 h quasiment. Ça me permettra, j'espère, demain avoir le temps de commenter toute la journée de samedi. Il me restera plus que la journée de dimanche. À commenter, je sais pas quand. C'est pas PV restant. Si c'est PV restant, Gap, c'est ça. C'est en gros, tu fais beaucoup de dégâts si la personne a 100% de PV. Ah ouais. Attention, beaucoup de dégâts sur Panda-like, on le contrôle. Il tank quand même un peu. Il a les levels et il va réussir à tenir. On ramène notre petit Kuvo. On arrive à s'enfuir côté Captain Twing. Le Tam Rift. C'est bien, là, les Hungry for More tiennent, mais malheureusement, ils ont récupéré la gold, les Hungry for More. Donc ils ont fait la différence sur ce teamfight et ça leur permet de passer devant. Désolé, là, c'est la fatigue qui parle, mais ils ont récupéré la gold. Ils sont devant en écart de goal maintenant 900 et en plus ils ont évité de mourir donc c'est vraiment bien joué. On a la transcendance qui est terminée du côté de Ataraxia donc il fait quand même une transcendance malgré le pendentif turquoise. Ok. Et Panda-like, bah, qui s'en sort finalement sur ce fight. Il level
11, il est du même level que Trixtang, donc ça se passe bien pour lui. Vaieti qui continue de mettre la pression à Xalia en la harcelant en boucle avec ses contrôles. Bon, Xalia n'a pas le Mystic Rush, mais il ne devrait pas tarder à le récupérer. Côté de Ymir, l'âme de la sorcière après le plastron de valeur. On a les engages côté Captain Twig. Et on va essayer de faire tomber cette T1, les Hungry for More, qui domine maintenant cette game. Attention Trickstank, il est obligé de se Stone Shield. Il se fait Ragnarok, il utilise. Enfin, il se fait pas Ragnarok parce qu'il utilise justement le Cataclysme pour ne pas se faire toucher. C'est vraiment bien joué, il faut arriver à les timer ce genre de move. Ataraxia qui arrive dans le dos. Attention quand même, il est loin d'avoir les dégâts pour pouvoir faire ça. Il a pris très cher, heureusement il se prend pas le stop. Par contre, il va prendre un Fierno Evil là, violent. Non, Kuvo l'a déjà lancé. On prend le kill finalement. Variety, le Time Rift, on arrive à Poke. Le Sacred Monkey, il se téléporte sur un sbire. Kuvo, il a raté le flash out de Variety et on désengage. Finalement, 2 pour 0 en faveur des Paradigmes. Mais bon, ils sont assez low life là. Après, il y a le Stone Shield, il y a la Nice qui peut se sustain avec son 2. Xalia avec son 3. Le Chronos avec la roue du temps. Gep peut Stone Shield. Donc, ils vont y aller. Le Flash Shockwave sur Variety. Variety est condamné. On utilise une bonne purification. Non, c'est un Stone Shield parfaitement mis. C'est pas une purification. Non, c'est une purif. C'est les deux. En fait, c'est les deux tout simplement. Il a purif et Stone Shield instantanément. Trickstank, vraiment bien joué. Et Fumbler aussi. Même si c'est un petit peu dommage d'utiliser les deux. On récupère la T1. Non, on récupère pas la T1 de la solo. On prend juste le kill sur Variety. On n'a pas vraiment aimé le Ymir là, Xalia. Il a dit, vous allez me le tuer, le Ymir là, il me casse les couilles là depuis 15 minutes. Tuez-moi ça s'il vous plaît. Ok chef. Ils ont tué le Ymir, ils ont pas pris la tour. On dépêche au centre et on voit quand même que les paradigmes sont pas si bien que ça. Ils ont 300 gold de moins, ils ont c'est vrai 6 kills de plus. Mais la perte de la gold leur a fait très très mal. Après ils ont réussi à se ressaisir dans ce dernier teamfight. On va voir qui va reprendre l'ascendant cette fois-ci dans la game. Et Hungry for More et s'est dit, bon on a volé la gold, on va tenter des choses. Finalement ils se sont fait rabattre le caquet là, donc on va voir s'ils vont continuer à jouer agressif avec 200 gold d'avance ou s'ils vont rejouer safe et attendre une erreur des paradigmes encore. On a un Tod côté Vulcain et un exécuteur terminé du côté de Lobster, donc Lobster qui continue de jouer sa Nice sans vol de vie pour essayer d'être impactant tout simplement hein, parce que Nice avec une Asie. C'est intéressant comme objet, ça donne du vol de vie, mais c'est pas des stats extraordinaires qu'un exécuteur, ça donne de la pénétration, de la puissance, de la vitesse d'attaque. Des choses qui manquent un petit peu à Nice dans son kit de sort. Côté Ymir, on fait un peu comme Chronos, hein, on max le 2, puis le 3, puis le 1, et on met des points dans l'ulti. C'est assez étonnant, on peut mettre des points dans l'ulti un peu plus tôt, mais c'est vrai que Variety est à niveau pro, mettre un ulti full d'un Ymir, c'est pas facile. Hein. C'est un des sorts les plus puissants du jeu, si on arrive à le placer, mais faut arriver à le placer, quoi. Oh, très bon wall de Variety qui zone deux personnes et ça permet de prendre le kill sur Lobster malgré le Fierno Evil qui avait été mis par Kuvo. Très très bien joué hein, de la part de Variety et c'est là qu'on voit quand même le wall d'Ymir est quand même un objet. Et quand même un sort assez cool. Ça permet au Hungry for More de prendre un kill complètement gratuitement en faisant un fight à 4v3. Parce qu'on ne peut pas dire que le Ymir a eu un énorme impact vu qu'il a été occupé à Wall. Mais ça permet de créer un fight en supériorité numérique. Kuvo qui met un Sacred Monkey. Il jump out. Ravana peut 2 au cas où si, y a un Frostbite. Attention, Fumbler qui arrive à poke avec un très très bon time rift. Il se fait Magma Bomb. Pas Backfire par contre. Ça me semble compliqué de faire cette gold par contre. Hein. Avec 4 joueurs qui vont leur taper dessus là. Le Sacred Monkey qui rebondit encore. On met beaucoup de dégâts sur Pandalike. Attention, faut pas tout mettre sur Pandalike parce que c'est un Ares. Le ulti de Variety. Fumbler qui prend le kill sur Pandalike.
Côté d'Auxalia, on a pris cher. Cuvo qui peut essayer de lui filer un coup de main. Le Glacial Strike qui passe. Le Stop Time qui ne suffira pas. Par contre, Funballer qui va taper Pretty Prime. Auxalia qui claque un 2 et qui va réussir à s'en sortir. C'est incroyable. Il n'y a pas de mort côté Paradigme dans ce fight. C'est oufissime. Ils ont réussi à se protéger les uns les autres. On réussit à Poke. Variety qui se fait Stop Time. Et le kick est pris par Funballer. Le Fear No Evil. On va tuer Ataraxia. C'est bien joué hein, de la part des Paradigmes ici qui ont joué à 4v5 en attendant le retour de leur teammate et ça fait la différence. On est à 2-10. 2 kills pris, 20ème minute de jeu. Lobster qui push la T1 mais qui pourra pas se permettre d'aller plus loin. Même malgré sa purification, faut qu'il fasse attention quand même au Fenrir. La T1 va tomber tout seul sauf si Panda Like la défend. Ouais, Lobster aimerait bien la faire tomber mais il n'y arrivera pas. Pendant ce temps-là, les autres paradigmes sont sur la Gold Fury. Ça va tomber rapidement. Hein. C'est un Chronos avec beaucoup plus de dégâts que tout à l'heure. La mêlée en funeste full stack éclat d'obsidienne. On va faire tomber cette Gold Fury très rapidement. Et ça permet aux paradigmes de repasser devant. 5600 d'XP, par contre, ça c'est beaucoup. Et 2300 de gold. C'est moyen. Par contre, 5800 d'XP, c'est beaucoup. Hein, à 21 minutes de jeu. On va aller chercher l'éclat d'obsidienne du côté du Vulcain. On récupère ce buff de dégâts côté Funmoller. On clean les sangliers. Paradigme. On met un time rift. Et on sent qu'il manque le petit bâton de Tahiti quand même pour faire des dégâts sur le time rift énorme quand on fait ce build là. On a fait côté Captain Twig, bouclier du néant, fléau de titan, robe spirituelle. Et on part sur une Jotun ou une matraque du bagarreur. C'est assez étonnant son itemisation. D'avoir fait le fléau de titan troisième objet. C'est assez étonnant. Seize de kin terminé pour Kairon. On voit vraiment le deux styles. Là, on va voir si c'est un Kairon full puissance, vitesse d'attaque, etc. Allez, on va chercher l'agression côté Funballer. On met le Ragnarok. Est-ce qu'on peut y aller? Là, on met le route sur Variety. On désengage avec un shield wall. Et on va s'arrêter là. Côté Paradis, on a un bac de Cuvo. On a voulu le cancel côté Variety. On peut cancel la bac avec un wall. Hein. Mais ouais, c'était bien tenté. Ouais, Petit Prime aime bien balancer ses ultis. Avec Vulcain, vous êtes obligé de balancer l'ulti avant de savoir si le contrôle va passer. Hein. Sinon, vous allez mettre l'ulti beaucoup trop tard. On contre-attaque, on met le combo sur Ataraxia. Attention, Ataraxia doit tenir. Il a réussi à désengager. Par contre, ça va peut-être se retourner. Côté Funballer, on est au cœur de la mêlée, mais on a encore le rewind. On préfère l'économiser. L'ulti de Kairon a été utilisé. On claque le 2 derrière. Est-ce qu'on a les capacités de sustain énormes? Non, on doit avoir des méditations, mais c'est tout. De l'autre côté, on a du heal sur Nyx, du heal sur Chronos, du heal sur Xalia. Pandalike qui met beaucoup de dégâts, mais ce n'est pas suffisant non plus. Essaye de mettre pas mal de combos. Et ça suffit pas. Pas de Gold Fury de toute façon à faire. Donc c'est pas trop grave pour les deux équipes. Ils peuvent se permettre de back. Ils vont pas all-in un fire. C'est pas trop le style de jeu des deux équipes. On va continuer de ce stuff et attendre encore peut-être 3-4 minutes avant de faire un teamfight. De toute façon, à partir de maintenant, vous le savez. Si vous faites un 4 pour 1 ou un 5 pour 2, vous pouvez faire une gold, un fire, pardon, ou tout simplement push une T2 et un Phoenix. Donc il faut faire attention, les temps de repop sont maintenant de 40, 45 secondes, 50 pratiquement. Ça va dépendre de votre level. Plus vous êtes haut level dans une game conquête, plus vous mettez de temps à repop et plus la game est longue aussi. Donc ça se cumule. Côté Panda-like, on a le flash, mais il revient que dans 50 secondes, donc c'est un Ares qui peut agresser de manière quand même assez moyenne.
juste à la chaîne, mais bon, les chaînes, il va réussir à les mettre sur les frontliners. Difficile d'aller chercher les carries. Ils vont très très peu d'erreurs de positionnement à ce moment-là de la game, ou alors qu'ils vont pouvoir se repositionner avec le petit Chronos. Point anti de Chronos du côté de Chronos, justement. Non, pas pendant anti de Chronos, bâton de Tahiti, oh là là. Iker va te coucher, il serait temps. Ragnarok qui est up côté de Captain Twig avec une robe Cyril, mais il a vraiment un build bizarre. Hein. Tabith Garé, bouclier du néant, je comprends. Le fléau titan, troisième objet, pourquoi pas. Robe spirituelle, pourquoi pas. Mais après, il va nous faire quoi? Une colère de Jotun maintenant? C'est assez étonnant. Normalement, la colère de Jotun, elle est rush en deuxième ou en troisième. D'ailleurs, Unbat, c'est parti sur un Ancile côté Kuvo. Ok. Alors là, pour jouer quoi? Contre le Ymir? Peut-être. C'est-à-dire que si tu te fais Frost, tu te fais pas Glacial Strike tout de suite. Et si tu te fais. Et je sais pas si 35 de range, Vulcain il est en dehors, hein, si Magma Bomb le Unbats. C'est assez étonnant. Après, c'est bien contre Ares, peut-être. Ouais. Voilà. On va mettre le contrôle sur le Guêpe, Trickstank, l'ulti Vulcain qui a été mis. Trickstank qui a pris beaucoup de dégâts. Pandalike qui est en train de tanker mais qui pourra pas tenir jusqu'au bout. On a Xalia qui zone assez bien hein, les DPS. Et on a mis, il a mis même beaucoup de dégâts à Pretty Prime. Il désengage derrière. On a fait un 1 pour 0. On s'est loin de suffire à ce moment-là dans la game pour faire prendre, pour avoir plus de kills. Mais Variety qui arrive assez bien à dodge les combos qui va partir sur une lame de la sorcière Variety. Ça va lui permettre de beaucoup mieux s'en sortir. Parce que la lame de la sorcière va proc sur le 1 de Ravana, sur le 1 de Unbat, sur le 2 de Nice. Mais comme vous le voyez, c'est l'écart d'XP qui augmente encore. Pas vraiment l'écart de gold. Il stagne. Par contre, là, s'ils font la gold, ça va commencer à faire 5000 d'écart de gold et 8000 d'écart d'XP. Ça commence à faire beaucoup. On a Captain Twig qui récupère le buff de speed de son vis-à-vis et qui laisse les deux petits pour laisser bien Kuvo galérer pour son prochain hop-hop. Côté d'Ares, un seul point dans le no escape. On max le 3 en deuxième. Tiens, vous voyez. Il a maxé le 3 en deuxième. Alors, pas hyper fan par contre de ça. Surtout sur un Ares à 0-6-2. Peut-être que le 2 aurait, lui aurait permis de survivre. Alors bon. Je pense pas énormément. Et Variety qui a fait l'âme de la sorcière. Donc a pas mal de PV, qui a de l'anti-slow, qui a de la résistance physique, un petit peu de résistance magique. Il est marrant l'itémisation de Ymir. C'est des objets qu'on voit pas tout le temps, mais qui sont faits. L'âme mêlée, l'âme de la sorcière, pierre du vide. J'ai qu'on voit peu. On met le combo et finalement Pandalike qui s'en sort. Mais on sent que les paradigmes dominent. Ils prennent pas énormément de kills, mais ils dominent quand même. Attention Captain Twig. On a le flash de disponible du côté de Unbats. Le flash également du côté de Geb. On est sur des games à 4 flashs. Hein. On se croit en saison 1. Il y a des flashs partout. Donc des capacités d'engage côté de Kuvo. Faut avoir ses purifications de up et son escape de up hein, quand on joue contre un Unbats qui a un flash. Parce qu'il peut facilement vous sauter dessus. Et garder son jump vraiment tranquille, pépère. Il flash. Il fait son combo. Il flash, il met l'ulti. Il met ensuite l'auto-attaque. 2 auto-attaque. 3 auto-attaque. Et jump pour fuir ou jump pour chase. C'est vrai qu'un bat, c'est très très rare que vous deviez utiliser votre jump pour engager. C'est dangereux. Mais utiliser pour fuir et essayer d'engager au sacré de monkey. Si ça touche la personne, vous appuyez instantanément sur la sort avant que ça touche une autre cible et vous allez vous téléporter dessus.
Il y a deux sorts de mobilité d'une certaine façon, Unbats. Donc avec le Flash, ça fait 3. C'est ce que utilisent beaucoup de joueurs pro à niveau compétitif sur leur jungler. Un Susanoo au Flash, et pareil, un 3 sorts de mobilité. Le dash sur le Stormkata au troisième sort. Le 3. Pareil pour une Serket hein, qui joue au Flash. Vous avez le 1, le 3 et le Flash. C'est quand même plus facile de jouer comme ça. Des persos comme ça. Que Aokong, par exemple, qu'on a que 2. Water Illusion, le Flash. Ou Thor qui quand se joue pas au flash donc il en a on va dire 2 aussi l'ulti et le 1. Fumbler qui dépush la lane tranquillement de la solo mais on voit que les paradigmes petit à petit reculent et n'ont pas envie de fight vraiment contre les paras. Stop time qui passe sur Vitality pendant qu'il met le last blitz. Ensuite, on lui met énormément de dégâts. On va essayer d'aller le chercher côté de Funbowler. On met le Fear No Evil carrément côté Kuvo qui a fait un très très gros travail hein, de split l'équipe. C'est tellement fort l'ulti. L'ulti Vulcain. Ça... que sur Xalia qui prend un 2 et qui prend 0 dégâts. On n'a pas utilisé le rewind hein, du côté de Funbowler. On aurait pu jouer plus agressif hein, côté Funbowler. Avec son Chronos. Je pense qu'on aurait pu prendre deux kills là en gridant, mais ils ont préféré jouer safe. Ils ont raison. Ils dominent la game. Autant ne pas faire un throw dégueulasse. 7000 gold d'avance quasiment. Avec Unbats qui push au mid. Qui a beaucoup de pénétration. Et il a fait un bouclier du polymorphe. Plutôt étonnant. Pas de bouclier du néant sur son Bats. Et on va prendre le kill. Malheureusement, ici sur. Lobster côté Captain Twig, Xalia qui prend le kill sur Captain Twig. On est mal embarqué côté Pandalike. Et Kuvo qui va tenter le fight contre Pretty Prime. Et là on voit le crit qui est passé là. Malgré le peu de probabilité de crit de Kuvo, ça a piqué. Hein. 15% de chance, c'est ça l'Infuse Strike, le passif de Unbats. Où il faut mettre à chaque fois que vous lancez un sort une auto. Puisque le passif c'est à chaque fois que vous lancez un sort votre prochaine auto-attaque. À 15% de chance de crit. 15 ou 20, je sais qu'à une époque c'était 25, si j'ai bonne mémoire. Il a été nerf ce passif. On va sécuriser le Phoenix de la middle lane. Kuvo qui va back. On sécurise le Phoenix. C'est bien joué. On a fini le bâton de Tahiti côté Funbowler. On verra quel sera son dernier choix d'objet. Je suis toujours étonné. J'ai toujours curieux de voir le dernier choix. Moi j'aime beaucoup le poly. Mais c'est pas le choix qui s'impose à tout le monde. Fléau de Titan, donc c'est le vieux build là sur Kairon. À base de Tabi de Guerrier, Transcendance, Azi, Seize de Kin, Fléau de Titan, Arc d'Ulysse. Ou Odyssey Boat. Boat en anglais. Boat c'est anglais, je suis. Boat c'est bateau. Boat, ça se dit Bow. Et Funvoleur, on sait pas trop quelle itemisation il va faire. Si, pièce de Pythagore. Alors, faut que je relise cet objet parce que je comprends pas pourquoi on l'a fait là. Il a Gabe avec lui, c'est tout. Alors, je pense que c'est un troll build, c'est pas possible. Bon après, ils ont que 10 000 gold d'avance, hein, c'est pas gagné. Pourquoi la pièce de Pythagore ici? Je sais ce que ça donne une pièce de Pythagore, mais pourquoi pas faire une Bancroft dans ces cas-là? Ça donne moins de lifesteal, la Bancroft. Pourquoi faire du lifesteal d'ailleurs? Bref, ulti Vulcain qui va être mis, ça fait pas de dégâts encore, Pandalike qui va tanker. Ils ont pris pas mal de dégâts. Variety qui zone avec son Shard of Ice. On met le slow. Pandalek qui tombe. Ataraxia qui s'est fait imploser complètement. Funbowler qui se fait magma bomb mais qui utilise un bon sanctuaire. Il n'aura pas le temps d'ulti. Finalement, c'est un 2 pour 1 avec un bac des paradigmes qui vont devoir temporiser le retour de leur ADC chouchou. Attention, le backflip. Très bon stun shield. Il a bien fait de pas back Trickstrong, ça a permis de sauver Lobster. Magma Bomb, on s'en sort également. Il serait mort hein, de la Magma Bomb là. Vulcain a quand même pas mal de stuff. Faut
pas désespérer côté Hungry for More. On a largement de quoi retourner un fight s'il y a un bon outil Vulcain. Après, on voit à quel point Vulcain. Je pense que c'est un perso qui va pas être nerf. Et c'est un perso qu'on va voir disparaître petit à petit. Les gens vont faire des compos contre ce perso et résultat, on ne jouera plus. C'est quand même un perso qui a pas beaucoup d'escape. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse là, le pauvre Pretty Prime? Il aura un Regin, ils auraient sans doute survécu. Un Janus aussi. Et encore. Kuvo pouvait trouver la solution avec le sacré de Monkey pour suivre la personne quand elle est jump out. Mais c'est pas facile à faire. C'est difficile à jouer, Vulcain. C'est pété, c'est très fort en solo queue, etc. Je suis d'accord. Mais placer des ultis décisifs quand vous êtes derrière comme ça, on sent que c'est difficile et qu'ils arrivent assez bien à éviter complètement que le air shaker serve à quelque chose. On va essayer de faire le fire, mais il y a Variety qui va décider d'y aller. On va le focus. Stop time qui est esquivé. Variety qui met un frost, un glacial strike. Là, faudrait limite retourner sur le fire, mais Kuvo a envie de sécuriser un petit kill. Ça y est, c'est fait. Très bon ulti de Kairon, mais c'est insuffisant. Fumbler qui a pris le kill sur Pandalike, Ataraxia qui implose complètement. Et on voit quand même qu'un build sans critique sur un Unbat, c'est cool. Hein. Il n'y a pas de critique du tout. Et il arrive quand même à te caler des 500 en crit parce qu'il a 15% de chance et que Kuvo est cocu ce soir. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de chance. Hein. À chaque fois qu'il avait besoin d'un crit, il l'a mis. Alors qu'il n'a pas un taux de crit démentiel non plus. 23 donc à 4. On va sécuriser un phoenix. Faudrait peut-être faire retomber le phoenix du mid. Ouais, il y a Lobster qui y pense. Bien joué, Lobster. Si elle, lui, il est parti sur le fire. Lobster qui prend le phoenix du milieu, c'est bien. On va aller sécuriser le fire. On voit que. Il s'en sort très très bien, un footballeur, pour faire le fire. Il n'a pas pris de dégâts du tout. Et c'est sécurisé. Bien joué. Je pense qu'il utilise l'accélérate pile au moment où les Molten Pool vont pop, ce qui fait qu'il strafe beaucoup, ce qui fait qu'il prend pas de dégâts. Et il a avec la pièce de Pythagore, il s'en sort avec beaucoup de lifesteal, donc il prend vraiment pas de dégâts sur l'objectif. Et on sécurise la T1 de la duo lane de Phoenix de Dawn. Bon, vous connaissez la chanson, hein, les paradigmes avec 16 000 gold, 16 600, 16 500 gold d'avance vont tout simplement aller faire les buffs, peut-être sécuriser la gold, histoire d'eux, mais sans doute foncer sur la tour de la duo lane en d'abord pushant au moins la mid lane pour permettre aux sbires enflammés de mettre une demi-pression. Hein. C'est pas une pression énorme quand même non plus, hein. Je dis à chaque fois c'est pour mettre la pression, mais ça met un peu la pression. Forcément, quand on a deux lignes de sbires enflammés, quand on en a qu'une, bon, ça va, on peut mettre le solo laner, il peut TP si ça fight à l'autre bout de la map, il peut vous pouvez essayer d'avoir un joueur qui défend et qui TP si besoin. Après, le TP 4 secondes maintenant, hein, c'est devenu quand même un peu plus difficile d'arriver quand on veut dans un teamfight. On réussit à sécuriser la T2, on va push toutes les lanes. Et vous voyez que Funballer se met au mid pour push. Là, actuellement, la solo lane est déjà push, pas mal. Il y a deux lignes qui arrivent les unes sur les autres. Pretty Prime qui va devoir les défendre. Kuvo qui ramène les sbires, qui tue les sbires pour permettre aux sbires d'arriver sur ce phoenix. Et on a Xalia qui est sur le speed de Captain Twig en ce moment. Ce qui est un peu chiant, c'est que Xalia soit pas là. Et qu'il est complètement pas encore là du tout. Donc il joue safe. Le flash, Pandalike, Ares. On ramène le Geb. Bon, c'est pas trop grave. On abuse le petit Vulcain qui a été sanctuaire par Nice et ignoré par les deux autres. Même pas la coquille a été claquée côté Geb. C'est rigolo. On sécurise le dernier Phoenix. Et on va aller sans doute terminer la game dans pas très très longtemps. Le flash cataclysme de Trickstank, on y va. On rentre dans la mêlée. Beaucoup de dégâts côté Variety, je crois, mais ça suffit pas. Finalement, Kuvo a survécu. On sécurise le kill ensuite sur Variety. Le Brutalize n'est pas suffisant. La Magma Bomb, le Chained. On prend le kill finalement sur Xalia côté Captain Twig. On se prend les contrôles. On sait finir par Funvoller avec une petite auto-attaque. Et on termine la game côté paradigme 2-0 des paradigmes contre Hungry for More. Score final plutôt violent.
pour les Hungry for More qui prennent très très cher à perdre 2-0 contre les Paradigmes. Ça signifie que peut-être on va rester autour du fameux trio Pantera, Paradigme, Hungry for More, ou peut-être Paradigme, Hungry for More, Pantera, qui sait? Non, je troll. Mais c'est plus Pantera, c'est des NRG maintenant, donc il faut retenir. Donc NRG, Paradigme, Hungry for More, peut-être les trois équipes, comme le split précédent, dans les trois premières places. En tout cas, c'est bien parti pour Paradigme qui, je trouve, commence à montrer un très très bon niveau. C'est-à-dire que ils arrêtent d'être un petit peu à deux visages en Pro League. C'est-à-dire qu'avant, les Paradigmes avaient un souci. En Pro League, on avait l'impression qu'ils ne prenaient pas hyper au sérieux certains matchs de Pro League et ils perdaient des points que Pantera, eux, ne perdaient pas parce que bah, ils veulent tout le temps gagner Pantera. Et je trouve que Paradigm s'est un petit peu gommé ce souci-là, ce qui fait que Paradigm est une équipe très très forte en LAN, mais également en ce moment très très fort en Pro League, en online. Et ça fait peur, je pense. C'est une équipe qu'il va falloir suivre et qui, je pense, peut aller peut-être au bout au World. En tout cas, ça ne serait pas complètement fou et étonnant de les voir gagner les Worlds. En tout cas, Pantera doit faire attention parce que ils ont fait un partout sur cette saison. On sait que Paradigm leur a déjà pris des manches après les battre dans un BO3 ou un BO5. C'est pas aussi simple, mais on sait jamais. On sait jamais. Donc très très bien joué de la part des Paradigmes qui remportent donc ce match 2-0 face au Hungry for More et qui remontent le classement petit à petit. C'est vrai que ça avait fait mal forcément le premier match contre Pantera et le 1 partout. Mais forcément, ils vont arriver à remonter parce qu'ils auront déjà joué le premier et le troisième du split précédent. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur YouTube. On se retrouve plus tard. N'hésitez pas à balancer un pouce positif si vous avez apprécié, à partager la vidéo et à la commenter. Allez, à plus tard et bonne journée à vous.